plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ainsi, à l'heure du parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, mais il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant qui est en moi a tressailli d'allégresse. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront « Bienheureuse », parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père, mais sa mère prit la parole. « Non, il sera appelé Jean. » « Mais il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom ?» Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en se disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, lui aussi, monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né,
l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.
Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Ton père et moi étions inquiets et te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Comme il leur était soumis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'était du temps où Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. C'était la 15e année du règne de Tibère César. Et la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais que devons-nous donc faire? Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Puis des soldats lui demandèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire? Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Mais le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matha, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matathias, fils de Semei, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matha, fils de Lévi,
fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Seruc, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Cainam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable s'adressa alors à lui. « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain !» Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Puis le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi !» Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Il est dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils se disaient « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?»« Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent ces choses dans la synagogue, ils furent tous remplis de colère.
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre! Je sais qui tu es! Tu es le Saint de Dieu !»« Tais-toi et sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent !» Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et enseignait la foule. « Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur !» Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. « Simon, ne crains pas. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une ville quand un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et le toucha. « Je le veux. » « Sois pur !» Aussitôt la lèpre le quitta. « N'en parle à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour que Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus regarda le paralytique. « Homme, tes péchés te sont pardonnés. »
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à se dire « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole. « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au milieu des péages. « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et s'adressèrent à ses disciples. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens, ils mangent et boivent. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, car il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit « le vieux est bon ». Il arriva, un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Puis, quelques pharisiens les questionnèrent. « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? » « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne se soit permis qu'au sacrificateur de les manger. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue. Il enseignait et s'y trouvait là un homme dont la main droite était sèche. Afin d'avoir un sujet d'accusation, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Mais il connaissait leurs pensées et s'adressa à l'homme qui avait la main sèche. « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il s'adressa de nouveau à l'homme. « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, elle est aussitôt tombée et la ruine de cette maison a été grande. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications.
Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici... On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. « Ne pleure pas !» Il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Puis le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple !» Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites de lui, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, «
Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Tu as bien jugé. Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus s'adressa de nouveau à la femme. « Ta foi t'a sauvée, va en paix !» Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit alors, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir !»« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau.
Ils étaient en péril, alors ils s'approchèrent et le réveillèrent. Maître ! Maître ! Nous périssons ! S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Puis ils abordèrent le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas !» Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et était entraîné par le démon dans les déserts. « Quel est ton nom ?»« Légion !» répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent alors saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme, de qui étaient sortis les démons, lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya. « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis : Qui m'a touché ? Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » « Ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte, mais il la saisit par la main. « Enfant, lève-toi !» Son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.
Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode se disait « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il chercha à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent. « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » « Donnez-leur vous-même à manger. »« Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. »« Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Et il y avait environ 5 000 hommes. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il les questionna. « Qui dit-on que je suis ?»« Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. »« Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu ». Jésus leur recommanda alors sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre s'adressa à lui. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait et comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le !» Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain,
Lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et il a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il s'adressa à ses disciples. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit alors la parole. « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, demandèrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme s'adressa à Jésus. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Puis Jésus dit à un autre. Suis-moi. Oui, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Puis un autre dit. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda!
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et questionna Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»« Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » ?»« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » »« Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » »« Et qui est mon prochain ?» Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Va, et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider !»« Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. » Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis,
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns se dirent, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule. « Heureux le sein qui t'a porté ! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ! » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, mais il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. » Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé ! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et ainsi toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses.
Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit : « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. » Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'adressa à ses disciples. « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant : « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme : « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit : « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent.
Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt « la pluie vient » et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, alors comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Le jour du sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat !»« Hypocrite ! Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages en enseignant. Sur la route de Jérusalem, quelqu'un s'adressa à lui. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?»« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens s'adressèrent à lui. « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer !»« Allez, et dites à ce renard, « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient quand un homme hydropique se présenta devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens : « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ? »
Alors qu'ils gardèrent le silence, Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut. » Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever ? Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ?» Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Alors on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? » ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.
Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela en se moquant de lui. Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui a été élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. » Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. « Jésus, maître, aie pitié de nous. »« Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira « il est ici, il est là ». N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent : Où sera ce Seigneur ? Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Puis Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans relâchement. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui, se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât.
Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Un chef interrogea alors Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu honoreras ton père et ta mère. Mais j'ai déjà observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Ainsi, tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors : Voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Puis Jésus prit les 12 auprès de lui. Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela, car c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe !»« Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on l'amène à lui. Que veux-tu que je te fasse ? Seigneur, que je recouvre la vue ! Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée descendit et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme ils écoutaient ces choses, Jésus ajouta une parabole, car il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale,
il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je puisse le retirer avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Mais ils lui dirent « Seigneur, il a déjà 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule demandèrent à Jésus de reprendre ses disciples. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent. « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?»« Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. « Alors, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Puis il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays.
Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit alors, « Que ferai-je ? » ?»« J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Mais ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise !» Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César ? Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent de Jésus. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Puis la femme mourut aussi. » À la résurrection, duquel d'entre eux serait-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Maître, tu as bien parlé. Comme il n'osait plus lui faire aucune question, Jésus s'adressa à eux. Comment dit-on que le Christ est fils de David ? David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. » Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. En vérité, je vous le dis, ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus les interrompit. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maître,
Quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean. « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. »« Où veux-tu que nous la préparions ?»« Voici,
Quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au maître de la maison « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe, il rendit grâce. « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva également parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Non, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que la parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Seigneur, voici 2 épées. Cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé dans ce lieu, il s'adressa à eux. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que se fasse ta volonté, non la mienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. »« Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. « Laissez !»
Arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus s'adressa ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards. « Regardez, cet homme aussi était avec lui. »« Non, femme, je ne le connais pas. »« Toi aussi, tu es aussi de ces gens-là. »« Non, homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait. « Mais certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. »« Homme, je ne comprends pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. « Si tu es le Christ, dis-le-nous !»« Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. »« Tu es donc le Fils de Dieu ?»« Vous le dites, je le suis. » Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche ! Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate et se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même « Christ roi !» Pilate l'interrogea alors en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis. »« Je ne trouve rien de coupable en cet homme. »« Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici !»« Cet homme est-il galiléen ?» Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait le voir faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Puis, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate avait assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Cet homme n'a vraiment rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas! Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. « Il sera fait ce que vous demandez. »
Il relâcha celui qu'il réclamait, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine en se lamentant sur lui. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font !» Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. « Il a sauvé les autres, alors qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, s'il est l'élu de Dieu !» Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs !» L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement en regardant ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, selon la loi, elles se reposèrent le jour du sabbat. De bon matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre afin d'y porter les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici. Deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.
À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ce même jour, Cléopas et un des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?»« Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?»« Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Mais les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. « Reste avec nous, car le jour est sur son déclin et le soir approche. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. « La paix soit avec vous !» Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?»« Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit ensuite jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et restèrent continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.